culture. Linda Tamdali, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bien. Et vous-même? Très bien. Pas se plaindre. Avec Hakim, très bien. De bonne humeur, comme toujours. N'est-ce pas? Alors, la culture, j'imagine, vous avez plein de rendez-vous à nous donner envie, surtout pour commencer, Linda. En fait, on commence à reprendre un peu les activités culturelles, pas beaucoup de rendez-vous. Mais ce qui est certain, c'est qu'on essaye d'avoir un maximum d'informations, notamment avec ce qui se fait au sein des librairies. Vous savez, en ce moment, les librairies sont vraiment très actives. Elles organisent des rencontres, débats des écrivains, des signatures de livres. Et c'est le cas de notre ami qui viendra donc signer son livre. Il s'agit donc de Monsieur El Corti que nous avons reçu souvent, nous l'avons souvent reçu dans nos émissions, Mohamed El Corti de Mascara, qui lui aussi est passionné. Il est passionné aussi de cinéma, de ciné-club. Il a relancé le ciné-club à Mascara. Il active beaucoup. Il remet au goût du jour les films, les classiques de films. Et là, il va donc signer son livre au niveau de la librairie du Tiers-Monde. Alors, il dit que son livre, donc, c'est Mohamed Corti, qui attend les futurs lecteurs de ses nouvelles de l'inframonde à la librairie du Tiers-Monde. Ce sera ce samedi 9 décembre à partir de 14h. Il faut dire que dans ce quartier-là de la place Emir Abdelkader, les week-ends, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres qui se font déjà au niveau de la cinémathèque, au niveau de la librairie. Vous avez aussi... Ça bouillonne de vie, de toute façon. Ça bouillonne, absolument. Ça bouillonne de vie. Vous avez le côté aussi du côté de la Grande Poste. Donc, il y a une certaine animation qui est en train de renaître au sein de ce quartier. C'est vraiment très 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 plaisant, notamment les samedis, pendant toute la journée du samedi, il y a pas mal de choses qui se font. Ouais, même s'il pleut, même s'il fait gris, oui, bah, c'est pas ça mais qui bien va sûr, voilà, mais nous intimider. On va y aller quand tout, même. Absolument. Et puis, il y a aussi d'autres activités. Je vais citer juste aujourd'hui la Wilaya de Blida, qui actuellement organise une exposition de produits artisanaux faits par des personnes atteintes d'handicap. C'est une très belle initiative. Nous savons que la Wilaya de Blida... Les femmes de Blida aussi sont des femmes assez manuelles, il y a une certaine dextérité aussi dans le geste. Et il y a aussi des personnes atteintes d'handicap qui exposent actuellement au niveau de la Maison de la Culture, elles exposent leurs produits artisanaux. Donc c'est aussi une belle initiative pour soutenir également ces personnes, voir leur travail, pourquoi pas acheter, les encourager. Surtout acheter. Oui, surtout. C'est la meilleure manière voilà, de les encourager. Et de les motiver encore un peu plus. Voilà, donc deux beaux rendez-vous. En plus, des belles pièces, souvent. De belles pièces, absolument, de belles pièces. Et puis, on peut échanger avec ces personnes, les encourager à faire mieux. Et apprendre beaucoup d'elles. Oui,